Mais tonton du levier de frein, bonjour. Aujourd'hui, bienvenue dans un Vie ma vie de... J'ai oui. Alors, il y en a un quand il m'a vu avec les lunettes, il m'a dit bonjour Michel, comment vas-tu? Donc on va quitter le mode Polnareff. Il est là-bas, vous le verrez après, le coupable. Aujourd'hui, on est où? On est chez HRS. Suspension, voilà, ça y est, ça commence déjà les bruits de fond. Nickel. Aujourd'hui, on est chez HRS Suspension. Comme vous le savez, vous avez dû le voir dans une vidéo précédente, j'ai récupéré ma 250 CRF pour cette année. Et du coup, pour le sable, eh ben, ce qui va bien, c'est de faire des suspensions sable. Donc du coup, c'est parti. On va vous montrer tout ça sous forme de vlogging. Petit aparté, mes friends. J'avais déjà fait une vidéo sur comment préparer une suspension. D'ailleurs, je vous le mets en haut à droite, là. Tu cliques. Voilà, tu verras comment préparer une suspension. Prochaine vidéo que je tournerai avec Jérôme. Comment régler une suspension dans le sable. Et comment faire une précharge pour éviter de cabaner comme oui. Aïe, aïe, tiens. Tu me parais beaucoup plus sage, mon ami, par contre. Quand je sors la caméra, c'est marrant ça va? Ouais, t'y as rien, Beau de mettre des plans avec de la musique, tout ça, mais faut faire le tour du propriétaire quand même. On va vous montrer à quoi ça ressemble sur HRS. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, déjà il y a un pit. Vilain le pit. Alors ici on rentre dans. Nom d'achat, il y a un silence de cathédrale quand je rentre. Donc ici on est dans l'antre du préparateur. Donc Jérôme il officie avec Nicolas Dercourt qui lui file un coup de main pendant la saison. Donc ils ont une partie en fait là. Où ils font leur mixture avec les clapets qui vont bien, tout ça, il y a des trucs qu'on peut pas filmer, on vous montre pas. Prends le pas dans les dents, Nico, quand même. Fais attention. Hein. Là, c'est des suspensions qui sont en attente de partir, d'être faites, etc. Bah tiens, on va demander, tiens, Nico, à gauche, là, c'est quoi? C'est ce qui est déjà fait? Ça, c'est ce qu'il va faire et ça, c'est ce qu'il fait. Ouais, t'as encore du boulot, fille. Il y a une équipe de nuit, ça se passe comment? Donc après, là, ils ont un banc de façon à pouvoir sortir une courbe par rapport au sitting qu'ils vont mettre, de façon à pouvoir, comment on peut dire ça? Je pense retranscrire un effort hydraulique sur le papier. Voilà, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour tout ce qui est tarage de ressort, etc. Voilà, ça, c'est pour le secteur de l'emploi. Montre un petit peu. Là, d'ailleurs, il est en train de faire un sitting. Tac. C'est tout pour Jioui. C'est pourquoi ça? C'est pour dans la fourche. Non, c'est... Si, c'est la fourche. La fourche. Pour dans la fourche, on filme pas. On filme pas, on filme pas. Et ça, c'est Nico. Bonjour Nico. Tu vas bien Nico? Ça va, non? Si t'as une avance à passer, c'est maintenant. Non? Non, ça va. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Tu sais, tu cherches pas une femme? Si tu veux une femme, c'est maintenant. Bon. Comme ça prend un peu de temps de faire une préparation, en tant que tout bon client lambda, je vous emmène à un autre endroit. Il y a une petite caverne d'Ali Baba. Attendez. Si jamais en allant sur une course avant de faire une préparation ou autre, vous avez besoin de quelque chose, il a monté un petit magasin qui sert d'officine. Regarde. Il y a tout ce qu'il faut pour dépanner
le crossman qui s'en va à une course ou autre. Il y a des lunettes, très bonnes lunettes, la ProGrip, très bonnes lunettes, voilà. Tout ce qui est les petites pièces anodisées qui vont bien pour les suspensions. Pour laver les bottes aussi. Ah bref, voilà. Donc ça a plus tendance à dépanner le client, etc. qu'à être un vrai magasin. Dixit Jérôme, c'est lui qui m'a dit, écoute, fais pas de concurrence, c'est juste pour dépanner les pilotes. Des fois ils viennent, ils me disent t'as pas ci, t'as pas ça. Bah mais non, on a. Bon, donc du coup, le sitting, ils viennent de le faire. On va remonter les suspensions sur la moto, faire une sag, puis après on partira rouler. Ah, il vient de me dire, j'aurais dû te dire un truc, alors maintenant tu pars tes couilles, tu me le dis, je le rends en stock, tu voulais dire quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Dis-nous tout, Nico, qu'est-ce qui se passe? Regarde, t'as trouvé ton préparateur. C'est quoi ça? Ta position au sable. C'est quoi? Ah, en PLS, ouais. Hey, tu sais quoi? Franchement, je vais la jouer clean, je vais le mettre dans la vidéo. Ouais, je sais. Mais c'est vrai que des fois, je finis en PLS. D'ailleurs, typiquement, quand j'avais pas les suspensions à chérir, je vais vous mettre un bout de vidéo maintenant. Voilà, quand j'avais pas les suspensions à chérir, c'est ce que ça fait. Ça fait clic-clac, cabane. Je suis pas passé loin de la clavicule sur ce coup-là. Je vais montrer ça à Jérôme. Il m'a dit, non, putain, là, il faut que tu viennes parce que ça peut pas durer. Bon, allez-y. Ah, c'est celui qui était dedans, ça? Ouais. Ils sont plus gentils pour eux, ça. Tu m'étonnes que tu passes par là. Et ça, c'est lesquels, hein? Mais ça, c'est le sien. Bon, là, ils sont en train de décider des ressorts qu'on va mettre, en fait, dans ma fourche, vu qu'il va falloir précharger plus, de par le fait que je sois lourd et qu'on ait un gros réservoir sable. Donc là, ils sont en train de faire leur petit marché. Hop. Ils se décident. Nico, il fait de la merde, hein, évidemment, on sait. Nico, je te... Si j'expose ma fourche... Je reviens de péter les dents dehors, t'es prévenu? Là, tu rigoles, ce con. C'est la dernière étape, on remonte la fourche, on la fine. Et là, il y a Spirelli qui m'a dit non. Non, il y a les autocollants à coller, c'est vrai. Il faut aller plus vite, ceux-là. Mais ils sont importants. Putain, en plus, je les avais oubliés une fois sur ma moto vintage. Ah non, je les avais mis, mais quand j'avais remercié tout le monde, j'avais pris tous les gens sur le kit déco. J'ai dit, bah voilà, je remercie un tel. Et en fait, comme il y avait l'autocollant sur la fourche, je l'avais oublié. Du coup, j'avais refait un grand post Facebook en disant, je suis désolé, machin. S'il y en a bien un qui me sert, en plus, c'est lui. Enfin, voilà. Surtout qu'ils te sauvent la vie. Regarde ce que tu fais, toi, c'est déconné, tu restes concentré. 74. Deux secondes, hein, t'as dit le sticker. Par autocollant. Donc 4. Tu m'en mets 2 à l'arrière aussi. On va garder. Pour être synchro. Pour être bien. Faut équilibrer quand même. T'étais aussi appliqué à l'école derrière quoi? Non. Il y en a qui rigolent. Pas longtemps. Ça dépend à quelle école. Ah, les gars, les vies ma vie, c'est les bons et les mauvais moments. Je sors de chez Acer, je me dis, bah je vais pouvoir rentrer, demain on va aller rouler, on va voir ce que ça donne. Bah là, mon pote, à mon avis, je suis pas à de repartir. Ou alors je mets une grosse rustine, et on se casse. Faut espérer que j'arrive à changer la roue, parce que là, je suis sur le bas-côté. Oh putain, les gars, nouvel épisode. Je suis en train de tenter un calage là pour surélever. Ça passe pas, les gars, ça passe pas. Si mes Vans me sauvent la vie, merci Vans France. Les mecs, excusez-moi, je suis un peu en PLS là. Ça a marché. Matez-moi ce système. Et c'est tout bon, tout neuf.
Y'a que le camion qui reste pour un. On peut repartir. Let's go. Voilà, c'était showtime les gars. Évidemment, on remercie Van France pour ce contenu sponsorisé. Maintenant, direction Bercail. Et demain, on va laisser la moto histoire de voir si le travail de Jérôme a été bon.